Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est ma première conférence. Si je m'évanouis au milieu de la salle, j'espère qu'il y a des médecins et des personnes qui ont le diplôme de secouriste. Parce que du coup, j'aurai besoin de vous si je suis par terre, quoi. Donc, je suis là pour vous faire un retour d'expérience sur deux onboardings que j'ai vécu récemment, sur mes premières expériences en tant que développeuse. Et c'est parti. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup d'amour là tout de suite maintenant, mais beaucoup de peur et je panique. Alors du coup, pourquoi on est là? Donc j'ai un peu la flemme de vous relire l'abstract. Franchement, je m'en souviens même plus de ce que j'ai écrit. Mais en gros, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc c'est vous dire moi ce que je pense, moi ce que j'ai vu, moi ce que j'ai entendu. Et c'est absolument pas de la vérité absolue, mais c'est vraiment que par mon prisme à moi. Du coup, je vais commencer par vous donner les objectifs que moi j'ai à communiquer avec vous aujourd'hui, parce que j'ai quand même des idées derrière la tête. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais pas trop, parce que bon, on n'est pas là pour ça. Je vais faire un gros focus sur le contexte d'une reconversion professionnelle, parce qu'il y a énormément de choses où on peut beaucoup, beaucoup parler, voire même faire un événement entier sur de la reconversion. Et puis après, je vais vous faire tout simplement un retour d'expérience, un petit peu pourquoi vous êtes assis par ici. Pour commencer, donc en termes d'objectifs, moi ce que j'aimerais vous apporter en vous partageant ce que j'ai vécu, c'est des pistes d'amélioration éventuellement dans votre entreprise et vos équipes, voire carrément des idées de process que vous n'avez pas du tout par rapport à ce que j'ai vécu et qui pourraient être absolument mis en place chez vous, quoi. Officieusement, j'ai envie que les personnes qui se reconvertissent dominent la tech en fait, parce que bon, c'est pas qu'il y a beaucoup d'ingés, mais il y a beaucoup quand même d'ingés. Et la reconversion, c'est cool, quoi. Et que lundi, donc les personnes qui s'occupent du recrutement, éventuellement s'il y en a dans la salle, que vous acceptiez un CV de reconverti si vous n'en avez absolument pas l'habitude. Donc pour commencer, j'aimerais bien vous parler un petit peu de moi, mais on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est un petit peu le bordel et c'est pour ça que c'est le bordel. En gros, on va juste s'arrêter à la fin. J'ai terminé ma vie, on va dire actuellement là. J'ai pas fini, mais voilà. Je vous ai dit qu'on se marrait ou pas? Du coup, j'ai eu une vie bordélique et donc dernièrement, ce qui fait que je me suis reconvertie, c'est que j'ai terminé ma dernière expérience professionnelle, donc hors tech, par une dépression, donc ce qui s'appelle un burn-out, mais le vrai mot derrière, c'est une dépression. Et c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences, donc avec une psychologue, et qu'à la suite de ça, j'ai fait un bootcamp et que j'ai continué en alternance. Et actuellement, je suis encore en alternance. Donc là, vous regardez une meuf qui est en alternance, c'est stylé. Voilà. C'est tout ce que. Alors, attendez la fin pour m'applaudir, parce que sinon je vais commencer à me la péter et on va éviter. Du coup, on va faire le focus sur la reconversion professionnelle. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important si vous vous ouvrez, ou si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas aux personnes qui seront reconverties. Parce qu'il y a énormément, en fait, de pourquoi on se reconvertit, quelles sont les situations pendant lesquelles on se enfin, ce qui se passe, en fait, pendant qu'on se reconvertit, et c'est quoi les enjeux derrière tout ça. Pour commencer, pourquoi on se reconvertit? En vrai, il y a plein de possibilités. Ça va toujours dépendre des personnes avec lesquelles vous allez communiquer. Il va toujours y avoir des raisons différentes. Il y a plusieurs schémas en fait qui vont se répéter. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out après le Covid. Enfin, pendant, après, bref, on s'en fout. Mais le truc, c'est que globalement, c'est un schéma qui est assez, c'est pas original, quoi. Enfin, je veux faire la meuf avec mon rouge et tout, mais globalement, se reconvertir après un burn-out. Pendant le Covid, c'était pas particulièrement original. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu cette situation. Il y a des personnes qui vont enfin saisir l'opportunité de se reconvertir parce que c'était le rêve de toute leur vie, mais elles se sont retrouvées à faire HEC parce que les parents, il fallait qu'ils fassent ça. Il y a plein de choses. Et puis après, donc j'ai terminé par crise de la insérer nombre pour vexer personne, mais il peut y avoir des crises à certaines périodes de votre vie où vous remettez absolument tout en question, vous vous levez un matin et vous dites, c'est bon, j'en ai ma claque et let's go, on change. Ça, c'est le côté cool. On arrive au pas cool. Pendant qu'on se reconvertit, alors moi, je vais parler donc de ce que j'ai vu, de ce que j'ai potentiellement vécu ou pas du tout, mais il y a quand même une histoire de légitimité. Moi, en tant que femme qui veux me reconvertir dans la tech, par exemple, est-ce que je suis légitime? J'ai pas beaucoup d'exemples, j'ai pas beaucoup de rôle modèle, j'ai
J'ai dernièrement connu donc des communautés qui étaient avec beaucoup de femmes dedans, dont une est exclusivement féminine. Est-ce que moi, en tant que femme, qui me reconvertit, qui ne fait pas de grande école, je suis légitime à me mettre dans ce nouveau métier ? Également, quand vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes extrêmement concentré sur cette reconversion, et de l'autre côté, vous allez devoir vous occuper de ce qui se passe à la maison, en fait. Donc, c'est la charge mentale, par exemple, que je l'ai évoquée, c'est un sujet qui peut potentiellement vous intéresser, et j'espère que ça va vous intéresser, et qu'au pire, j'y arriverai pas. Après, vous regardez ça sur Internet. Quand vous, de 9h à 17h, vous êtes à fond sur de l'apprentissage, que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, et que le matin, vous devez vous lever à 7h, emmener les enfants à l'école, sachant qu'avant, faut quand même leur donner à manger, les habiller, tout ça, qu'après, vous terminez du coup votre formation, votre journée de formation, et il faut encore vous occuper de la baraque, vous chercher les enfants, faire à manger, machin. Du coup, ensuite, vous n'allez pas avoir de temps supplémentaire pour vous concentrer, pour lire des livres, par exemple, pour faire de la veille, ce genre de choses. Au final, il y a énormément de choses, par exemple l'état psychologique aussi. Moi qui sortais d'un burn-out, par exemple, il aurait été plus judicieux que je refasse un suivi psychologique après, parce que ça reste une dépression, je répète le mot, avant de faire ma formation, en fait. Du coup, techniquement, c'était une situation qui était risquée. En tout cas, il y a plein de choses qui font que pendant qu'on se reconvertit, ça peut être extrêmement difficile en fonction des personnes. Et c'est hyper important de s'intéresser aux personnes une à une, parce que chaque personne va avoir sa propre situation, son vécu, etc. Je vous ai dit que c'était pas cool, hein. On continue. Ensuite, au niveau des enjeux, pareil, là, ça va complètement dépendre. Donc, quand il y a une POEI, il y a quand même un enjeu de contrat de travail derrière. Donc si vous foirez, vous n'avez pas le travail. Au niveau des rentrées financières, c'est pareil. Est-ce que j'ai suffisamment, par exemple, de temps de chômage pendant ma formation pour me laisser le temps de monter en compétences, pour me laisser le temps de chercher du travail ? Pareil, ça va peut-être me générer énormément de stress durant toute ma formation, à la moindre difficulté, quand je vais avoir des soucis pour comprendre X ou Y notions, en fait. Dans quel état, en fait, ça va me mettre ? Alors du coup, j'ai écrit « enjeu », mais en réalité, j'aurais pu mettre « facteur de stress ». Bon, déjà que j'ai dit que c'était pas cool, on va éviter de... Hein. Également, si vous avez des crédits, par exemple, pour votre maison, peu importe, vous êtes tout le temps à vous dire « il faut que je trouve direct un travail juste après ma formation, parce que sinon je suis dans la merde en fait. Genre je suis dans la merde, je me retrouve dehors, qu'est-ce qui se passe ? Ou alors je vais devoir refaire un taf alimentaire. » Bref, tout ça, ce sont des facteurs de stress qui sont extrêmement importants et qui prennent aux tripes en fait. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes là, vous allez essayer d'être rassurant, mais vous ne changerez jamais le fait que genre on est juste comme ça et qu'en plus il faut qu'on apprenne et qu'on travaille et qu'on... On est comme ça, quoi. Bref, c'est terminé pour les trucs pas cool. Vous pouvez respirer. Moi, personnellement, du coup, j'ai pas forcément été dans cette situation-là. Moi, c'est plutôt tranquille. Bon, OK, il y a eu le burn-out, mais bon, ça va. Enfin, ça va. Voilà. Mais du coup, ça m'a donné une réelle motivation pour pas du tout revivre la même chose. Mon bilan de compétences, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas fait, entre guillemets, juste avec une coach professionnelle, je l'ai fait vraiment avec quelqu'un qui est diplômé en psychologie du travail, du coup on a pu aller beaucoup plus loin sur pas mal de choses, et du coup moi personnellement ça m'a vraiment aidé à me poser, à réfléchir, à faire plein de trucs, machin, on s'en fout. Et également, moi, j'ai pas de crédit, j'ai pas de gosse, j'ai personne à m'occuper à la maison, j'entends par là un époux éventuellement. Et du coup, globalement, moi, j'étais globalement chanceuse, en fait, dans mon contexte personnel pour ma reconversion. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément l'exemple, le schéma le plus typique, on va dire, parce que je n'avais pas beaucoup d'enjeux, je n'avais pas beaucoup de stress. Il me restait au total quasiment 2 ans de chômage, parce que c'était particulièrement bien enchaîné pour moi. Donc, le stress à ce niveau-là, ça a été. Pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Il faut le garder en tête, tout ça, quoi qu'il arrive, par rapport à la suite. Globalement, je n'étais pas stressée, mais peu importe les personnes, il y a énormément de stress derrière. Donc, on arrive au moment où je vous raconte ma première expérience. Donc, je termine mon bootcamp,
Alors, je vais vous donner les dates. Hein. J'ai fini mon bootcamp le 8 septembre de l'année dernière. J'ai enchaîné ma première alternance le 13. J'ai même pas eu de galère pour trouver une alternance, alors que c'est plus galère de trouver une alternance pour qu'un CDI, par exemple. Globalement, je suis très chanceuse et c'est pas ça qui se passe dans la réalité. Et du coup, donc, cette slide, ou comment meubler du vide, bah, je pense qu'elle est suffisamment éloquente parce que moi, il ne s'est pas passé grand-chose pendant ma première expérience. Et c'est pour ça que je vais du coup, vous détailler tout ce vide. C'est un super exercice d'ailleurs hein, de blablater sur des trucs un peu vides. Donc, on va commencer. Déjà, c'était une entreprise qui était hors de la tech. C'était une PME dans le secteur de la retraite, qui avait pour ses besoins internes embauché un développeur afin de créer un logiciel hyper complexe. Enfin, je ne sais pas si vous y êtes intéressé encore ou pas à la retraite, mais en France, il y a plus de 60 caisses de retraite. On comprend pourquoi on ne s'y intéresse pas, quoi. Et du coup... Et du coup, donc c'était ça, voilà, c'était ce genre d'entreprise. Et donc la première fois que je suis arrivée, donc j'ai codé le premier jour. Alors moi, je code le premier jour, mais attendez, c'est trop bien, quoi. Genre, je viens d'arriver, je n'ai pas d'expérience. On me fait suffisamment confiance pour que je code le premier jour. Ouais, sauf que coder le premier jour, ça veut dire quoi ? Coder le premier jour, et donc ça, c'est uniquement parce que j'ai eu du recul que je l'ai vu, mais... En vrai, le premier jour où j'ai codé, moi, j'étais trop happy. Enfin, c'était la fête. Je me la suis pétée direct, en plus, après. Non, mais quittez. Et du coup, coder le premier jour, ça indiquait plein de problématiques. Tout ça. Donc, effectivement, j'ai pas eu de formation métier. Je vous ai dit que c'était la retraite. On est en France. La retraite. Chaque caisse de retraite a des manières différentes de faire vos calculs là, et en fonction de ce que vous avez fait comme boulot, ça va pas être exactement les mêmes calculs, parce que il y a un truc que j'ai appris, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus tu gagneras d'argent après, mais c'est terrible. Bref, c'est vraiment un bordel, la retraite en France. J'ai pas eu de formation métier. Comment voulez-vous que je fasse un logiciel là-dessus ? Également, j'avais aucune communication, j'ai eu aucune présentation de tous les métiers avec lesquels je travaillais. Du coup, en gros, pourquoi réellement j'étais là, moi ? Mon responsable projet, donc, qui était le développeur, il ne s'occupait pas que du logiciel. Il s'occupait de tout l'intranet de l'entreprise. Il n'avait pas le temps pour moi, en fait. À la base, c'était pour de l'alternance. Et encore, même si ce n'était pas de l'alternance, je suis junior. T'as pas le temps pour moi. Allô ? Vous voulez que je fasse sauter tout, que je supprime le repo GitHub ? Qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi ? Non, il faut avoir du temps. Ce temps, je l'avais pas. Et mon responsable projet ne pouvait vraiment rien y faire. Il pouvait mettre toute la volonté qu'il voulait, ce qu'il a essayé. Hein. Il n'y avait pas le temps. Également, il n'y avait pas de documentation sur l'existant. Alors ça, donc, c'est un autre problème, hein, la documentation. Il me semble qu'il y a une conférence cet après-midi, d'ailleurs, à ce sujet. Et du coup, moi, je suis là, je dois apprendre à connaître un code existant. J'ai pas de doc. Forcément que j'ai codé le premier jour. J'ai même pas de lecture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon. Donc tout ça, c'est la conséquence de juste un truc. Alors du coup, je ne vous détaille pas le reste parce qu'on n'est pas vraiment là pour ça. Mais grosso modo, une seule action peut vraiment être révélatrice d'énormément de choses. Et là, en l'occurrence, coder le jour J, c'est clairement la preuve qu'il y a eu énormément de choses qui manquaient. Donc, niveau vocabulaire, là, c'était pas fou. Au final... Moi, par rapport à ce que je recherchais dans mon alternance, c'était de la montée en compétences, c'était apprendre les bonnes pratiques, clean code, tout ça. C'était un petit peu en désillusion totale, désillusion. Et le fait également que ce soit de l'alternance, il y a un référentiel métier à respecter, ce qui n'était forcément pas le cas. Résultat, salut. J'ai pris la décision. Alors, du coup, Tourlou, c'est québécois. J'ai appris ça pour faire la slide. Aufinsherbe, c'est français, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient.
Et du coup, au final, j'ai pris la décision de partir de cette entreprise. Donc, je vous ai dit, je suis arrivée en septembre. J'ai décidé de partir en décembre, 31 janvier. Donc, c'était signé, c'était fini. Je vous rappelle quand même que c'était de l'alternance. Et en alternance, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas d'école. Et moi, je n'avais pas de plan A, je n'avais pas de plan B. Enfin, je suis un peu, je ne dirais pas limitée, mais bon, presque. Hein. Au final, concours de circonstances, globalement, j'ai énormément de chance dans ma vie. Enfin, genre, c'est un petit peu... Enfin, il faudrait peut-être que je joue au loto, quoi, un jour. Je me retrouve donc à The Tribe. Représente. Et donc là, on va être sur le grand moment corporate, hein, parce que j'aime énormément cette entreprise pour plein de choses. Et on va être vraiment très corporate. Je vais vous faire juste une explication. On va essayer de pas trop s'étendre pour pas être trop corporate non plus, mais par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc comment elle a été créée, pourquoi, dans quels enjeux, etc. Et en fait, tout ce que je vais vous expliquer là, ça va vraiment découler ce qui se passe par la suite et pourquoi j'ai été aussi bien accompagnée là-bas. Pour commencer, c'est une entreprise qui a été créée par deux personnes qui sont sorties de Centrale Nantes, donc une école d'ingé, et qui ont voulu juste plus revivre le fait de... Alors j'espère qu'il n'y a personne qui travaille en ESN ou quoi, mais qui en avait vraiment marre du système des ESN, de se faire broyer, de ne pas être écouté dans la création produit, etc. Et du coup, on voulait vraiment créer quelque chose de cool quoi, pour les devs, que tu sois écouté quand tu es dev, que quand tu as un truc à dire au client, tu puisses lui dire directement, tout ça, bref. Ils ont commencé par recruter ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire des développeurs uniquement sortis de Centrale Nantes. Quand tu recrutes que des ingés, qu'est-ce qui se passe? Tu sors que les mêmes profils. Je suis vraiment désolée, hein, s'il y a plein de gens qui sortent d'école d'ingés, mais rien contre vous, hein, c'est pas personnel. Mais malgré tout, quand on sort de la même école, quand on sort de la même formation, eh ben on sort avec exactement les mêmes mécanismes de pensée, de réflexion, le même schéma, et on a à peu près le même vécu. Donc c'est là où le personnel il peut faire la différence. Le truc, c'est que t'en as pas. Donc c'est écrit en gros. Ne pas en avoir, t'en as pas chié dans d'autres métiers. Moi, par exemple, j'ai fait des frites à la friteuse, frites à la friteuse, avec la chaleur de l'huile et tout. Vous vous dites, je devais avoir chaud, sauf que c'était en extérieur, donc j'étais avec la doudoune et tout, donc j'avais chaud là, froid là. Donc j'apprécie mon confort d'aujourd'hui, là, en tant que dev assise chez moi, tranquillou. Mais du coup, ça apporte énormément de valeur pour les clients qu'on accompagne aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de profils aujourd'hui dans mon entreprise, parce que ça a changé littéralement il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils se sont mis à se dire, bah ouais, mais en fait, il y avait trop de personnes quasiment identiques dans l'entreprise. C'est pas qu'on s'ennuie un peu, mais bon, les sujets de conversation commencent à être... Enfin, on les a tous vus, quoi. Donc, ils se sont mis à recruter des personnes qui sont reconverties. Et ils ont pris une claque monumentale avec le premier reconverti qui est arrivé, qui était juste trop fort et je suis pas du tout au niveau. Hein. Mais du coup, ils se sont dit, ouais, mais on va continuer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est vraiment bien, bien mélangés. Il y a plein de profils différents. Donc, il y a des écoles d'ingé, des écoles d'info, des reconvertis. Dans mon équipe, mon lead, c'est quelqu'un qui est sorti d'école d'ingé, parcours classique. Ma collègue, elle a été aide-soignante. Un autre de mes collègues, il a été cheminot. Et du coup, peu importe sur quel produit on travaille, on va toujours avoir la vision métier, d'une part ou d'une autre. Et en valeur aujourd'hui, le fait de s'ouvrir les portes, enfin d'ouvrir les portes de son entreprise à des personnes qui sont reconverties, ça peut aider énormément aussi sur la parité. Parce que je ne sais pas si les personnes qui ont fait école d'info ou école d'ingé l'ont certainement vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Normalement, vous le voyez quoi. Enfin, vous voyez qui vous ne voyez pas. Et du coup, quand on se reconvertit, il y a quand même plus de profils. Il y a de plus en plus de profils, il y a de plus en plus de femmes qui, justement, voient pas mal de bootcamps qui sont beaucoup plus accessibles pour elles. Le fait de vous ouvrir à ces profils-là vous permet d'avoir plus de possibilités pour ça aussi. Également, les personnes qui se reconvertissent, et là, on se souvient de ce que j'ai dit, des trucs pas cool au début. Donc, pourquoi on s'est reconverti? Dans quelle situation? Et avec quelle
en jeu, mais c'était facteur de stress, on est beaucoup plus motivé, quoi. Je suis désolée, mais on est un petit peu plus chaud. Voilà, c'était la fin du moment corporate. Du coup, concrètement, ça donne quoi l'onboarding que j'ai vécu à The Tribe ? Alors déjà, c'est quelque chose qui est particulièrement bien organisé, mais vraiment très bien. J'ai pas du tout codé le premier jour, hein, par exemple. Je crois que j'ai codé au bout de deux semaines, trois semaines, un truc comme ça, parce que j'avais pas le temps avant, en fait. Hein. Pour commencer, il y a tout le bordel mise à niveau administratif, machin, les trucs cool, quoi, genre comment tu remplis ta fiche de paye, enfin pour faire en sorte d'avoir ta fiche de paye, comment tu remplis tes demandes de congé, ou est-ce que tu fais des trucs vraiment très cool. Et ça, dans une entreprise qui a quand même un peu plus d'une centaine de personnes, forcément ça change de la PME, hein, mais c'est assez long. Et également, le plus long, c'est la présentation de tous les métiers. Alors, moi je suis reconvertie, j'ai commencé par le métier d'esthéticienne, j'ai bossé en restauration, j'ai bossé en foire, j'ai bossé dans les télécoms, designer, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai eu quand même un après-midi réservé pour m'expliquer c'est quoi le design, c'est pas juste faire des maquettes, hein, si vous ne le saviez pas. Les sales également, donc ce sont les commerciaux, hein. C'est pas qu'ils ne sont pas propres. Et, non mais, voilà. Quand tu connais pas, tu connais pas. Product manager, c'est pas des petits chefs qui s'amusent. C'est vraiment des personnes qui ont un rôle essentiel quand tu fonctionnes en agilité, nana. Et rencontre avec tous les métiers, mais pas juste rencontre, c'est vraiment présentation. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu viens pas de la tech, c'est lourd. Donc heureusement que j'ai pas codé le premier jour, parce qu'à part faire des if true égale true, fais-moi machin, j'aurais rien fait. Et on est d'accord que c'était pas utile, hein, le if true égale true. Surtout que ça aurait rien fait du tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est organisé. Ce qui est organisé également, c'est que tu vois toutes les équipes. Déjà que j'ai du mal avec les prénoms, alors quand tu vois 150 personnes quasiment d'un coup, je vais mort. Du coup, c'est plutôt sympa quand même, ça fait plein de pauses, tu prends des cafés, machin, donc après, ou thé, hein, ou de l'eau éventuellement. Donc, rencontre avec les cofondateurs, donc bon, il y en a un, c'était plus souvent au bar que, mais il faut pas le dire, mais. Mais voilà, donc tu vois vraiment tout le monde en fait. Tu vois tout le monde déjà pour que tu t'intègres dans l'entreprise, tu vois tout le monde pour que tu prennes connaissance de tous les métiers. Alors qu'avant, dans ma précédente boîte, je vous rappelle que j'ai même pas eu de rencontre avec les autres métiers. Donc clairement, moi, ça m'a fait une différence, mais bon, la fin de la première semaine, j'avais la crâne comme ça, mais c'est pas grave. Il y a également un système de marrainage et parrainage. Attendez, c'est là où je fais le. Voilà. Alors. Amélie, kangourou combatif, c'est moi, et là c'est une capture du Slack de mon filleul, du coup, qui a cru que je pouvais certainement l'augmenter, mais pas du tout. Et du coup, il y a un système de marrainage et parrainage. Alors moi, c'est un système où je trouve que c'est excellent, parce que quoi qu'il arrive, que d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, tu as toujours la même personne en repère. Et moi, je kiffe. Ça te permet de faire des apéros, machin, tout ça, c'est incroyable. Et ensuite, donc après 6 semaines environ, hein, quand tu arrives, mais ça, c'est pour tout le monde, hein, environ 6 semaines après, tu as un rapport d'étonnement. Alors bon, moi, tout ça, par rapport à ce que j'ai eu, mon rapport d'étonnement, au lieu de durer une demi-heure, il a duré quoi, 30 secondes. Wouhou, c'est trop bien, c'est très bien, waouh, qu'est-ce que je kiffe, vous êtes trop fort, vous êtes trop beau, machin, tout ça. Et c'était fini, j'avais aucune objectivité dans l'histoire, rien du tout, il y a eu zéro critique, comment vous dire que bon, voilà. Mais du coup, ça permet quand même de faire des mises à jour un petit peu, entre guillemets, dans le sens où, bah, si on a merdé sur tel ou tel point, bah, le but c'est de s'améliorer, machin, machin. Bon, je vous fais pas le contexte, enfin, je sais plus le mot, de l'agilité, machin, les feedbacks pour s'améliorer, nanani, on s'en fout. Et ça, du coup, c'est vraiment commun à l'ensemble des arrivées. C'est-à-dire que tu sois junior ou pas, tu vivras exactement à peu près, en tout cas, la même expérience quand tu arrives. Donc, on t'intègre correctement, on te fait rentrer correctement et tu apprends correctement
tout le fonctionnement en fait, de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand tu es junior? Alors déjà, ce qui se passe quand tu es junior, c'est qu'on a un CTO qui, à la base, lui-même s'est reconverti, mais il avait fait beaucoup d'autodidacte. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Moi, je suis grave chaud pour recruter plein de juniors, plein de reconvertis, c'est trop cool. » Mais techniquement, il nous manque des trucs, il nous manque vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ce qui est normal, quand tu fais un bootcamp, c'est entre 10 semaines et 5 mois, légèrement plus parfois. Enfin, moi, par exemple, le bootcamp que j'ai réalisé, les tests, voilà. Enfin, il y a même un prof qui confondait TDD et test first. Nous n'en parlerons pas. Il y a énormément de choses qui manquent quand tu sors d'un bootcamp, et c'est normal. Il n'y a pas le temps. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, pour qu'on soit un minimum productif et qu'on puisse arriver, il y a énormément de choses qu'on ne va pas faire. Il y a plein d'éléments qui passent à la trappe. Si, au niveau de notre situation personnelle, je rappelle, la charge mentale, comment on est émotionnellement, de quoi on a à nous occuper à la fin, on n'aura pas le temps de lire des trucs, on n'aura pas le temps de faire de veille. Il faut le prendre en compte. C'est pour ça que notre CTO, donc CTO de Nantes, a mis en place un repository. Le repository, c'est une mini-bible hein, pour n'importe quel junior. Et encore, même s'il était junior en archi-exa, par exemple, que tu n'en as jamais fait, bah, il faudra regarder ce truc-là. Parce qu'il y a énormément de documentation, il y a plein de trucs à lire, il y a plein de vidéos à regarder, il y a des exercices qui sont pré-remplis. Ici, tu dois mettre des DTO, les DTO, ça sert à ça, donc Data Transfer Object. Je dis ça, j'ai pas mis... Bon. Et bref, tu as plein d'explications, et quand tu tombes là-dessus, tu fais... j'ai rien compris. C'est un peu compliqué. Et du coup, tu as le temps. T'as le temps. Le truc, par exemple, c'est que, en l'occurrence, le sandbox sur lequel j'étais, c'était un jeu, c'était faire un RPG, en fait, avec des niveaux, ton personnage, est-ce que t'es un chevalier, machin, t'as combien de points de vie et tout. Et le but, c'était de faire ça, mais en architecture hexagonale, donc impossible. TypeScript, je sortais d'une formation PHP, donc me mettre à un truc en JavaScript. Et du coup... Et du coup, non, mais j'ai rien contre le JavaScript, hein, mais bon, TypeScript, c'est la même famille, quoi. Et du coup, c'est pas évident, mais t'as un temps exprès, t'as un truc exprès, t'as un truc qui va te mener pas à pas, qui va t'emmener vers de la documentation à regarder, qui va t'accompagner, et t'es en autonomie dessus pour apprendre. T'as du temps pour le faire. Tu n'es pas directement sur un projet client, t'es sur un temps de mise à niveau technique. Juste ça. Et ça, ça m'a appris du coup la manière dont l'entreprise travaille. Elle m'a travaillé sur, sur les projets clients et ça me laisse le temps de poser mes questions, machin. Sauf que pour poser mes questions, ce qui s'est passé, c'est que mon mentor était disponible. Je vous rappelle que mon ancien responsable projet, il ne l'était pas. Donc là, il y avait du temps disponible pour moi, avec mon mentor, pour faire du pair programming, pour qu'il m'explique des trucs, pour qu'il fasse les revues du code que j'avais fait, pour qu'il me dise « Non, mais t'as pas compris, là, ça va pas du tout, il faut faire ça, 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 pour ça, ça, ça. » Il faut du temps. Et en plus, le truc, c'est que moi, personnellement, je comprends vraiment super vite, mais il faut m'expliquer très longtemps. Du coup, il faut du temps pour ça. Ce temps-là, il faut qu'il soit priorisé. Ça veut dire que si mon mentor, qui en plus... Et le CTO, en général, c'est un peu occupé, n'a pas priorisé ce temps-là sur l'agenda. Et que vous mettez des rendez-vous sur son agenda alors qu'il est censé être avec moi, moi, je fais comment? Il faut respecter ça. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de différent, en fait, pour les juniors quand on arrive dans mon entreprise, à The Tribe. Du coup, en gros, en différence majeure, Ah si, il y a une nouvelle slide que j'ai rajoutée hier, du coup. En différence majeure, donc, ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas fait de slide supplémentaire, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est qu'en gros, on passe de rien à un process entier qui est mis en place exprès. Que ce soit quand tu arrives, en tant que nouvelle ou nouveau développeur, développeuse, et que ce soit quand tu es junior. C'est-à-dire que tu as un truc en plus, avec du temps en plus quand tu es junior, pour que... Tranquille, prends ton temps, pose tes valises, regarde comment on fait, ça va bien se passer, on fait ça.
Du coup, ce que j'ai rajouté comme slide, alors moi j'aime bien le métal, du coup c'est le titre métal. On passe d'un pogo tout pourri, on se dit c'est pas ce qui se passe là, à un vrai truc de malade, un vrai truc de fou, avec une synergie d'équipe et tout. Alors si vous n'avez jamais fait de pogo dans votre vie, il va falloir commencer parce que meilleure expérience ever, sauf quand tu te pètes le genou et que t'es même pas dans le pit. Mais voilà. Mais du coup, globalement, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Je suis passée d'un endroit où je devais me démerder, alors que je suis junior. Et je suis junior, les gars, apprenez-moi, quoi. Genre, je sais pas, je ne connais pas. Et à une expérience où j'ai complètement été accompagnée de A à Z sur c'est quoi les métiers avec lesquels on travaille, comment ça se passe chez nous, viens, tu vas rencontrer tout le monde. C'est pas du tout la même ambiance, hein. Du coup, on arrive vers la fin. Donc, j'étais un peu plus rapide que prévu, mais skip, c'est normal et je vais faire genre que j'ai prévu des temps de questions-réponses. J'ai prévu des temps de questions-réponses à la fin, du coup. En conclusion, moi, la seule chose en fait, que je voulais faire réellement, c'était de partager mon expérience. Donc, même si elle est petite, au final, même avec des petites expériences, on peut toujours raconter ce qu'on veut. Et puis après, j'ai plein de trucs à raconter, en fait. En vrai, si vous me mettez une bière sous le nez, ça va aller vite. Mais du coup, le but, c'est que si éventuellement, vous n'aviez pas mis en place de process, si vous n'aviez jamais recruté de junior, allez-y, il faut commencer, il faut se lancer. En plus, on est trop cool, on est trop bien, on est trop motivé, on ne sait pas beaucoup faire de trucs sauf les génies, mais on est grave là et on a juste une envie, c'est d'apprendre et de partager avec vous, enfin avec tout le monde, de recevoir du partage, de partager en retour. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je vous rappelle que ça fait même pas un an que je suis là, dans la tech, j'entends, que je suis en alternance, Et le seul truc qu'on veut faire, en fait, c'est partager et recevoir des informations et monter en compétences. On est juste trop, trop motivés. Donc, j'espère que ça vous a aidé, du coup, pour avoir des petites idées d'amélioration de process, etc. S'il y a des personnes qui s'occupent du recrutement, peut-être choper un petit CV de personnes reconverties lundi et vous penseriez à moi. J'espère que vous avez rigolé un petit peu quand même. J'ai entendu quelques rires, mais bon, il y a quand même des têtes qui n'ont pas d'humour. Et rigolez pas pour me faire plaisir. Hein. Et voilà, donc j'espère que vous avez quand même passé un petit bon moment. Donc moi, je suis toujours stressée là. J'espère que ça se voit de moins en moins. Et du coup, ce sont les fameux QR codes. Vous voyez, genre, les deux là, c'est mon collègue hier de la tribu parisienne qui les a générés, on s'en fout. Du coup, vous pouvez follow ma boîte sur LinkedIn, me follow moi sur LinkedIn et me faire vos petits retours sur la conférence, parce que c'était la première fois que je m'exprimais devant autant de personnes et je vous remercie encore d'avoir autant été nombreuses et nombreux. Et comme je suis un chouï en avance, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir si je peux et si j'ai envie. En gros, est-ce que quelqu'un a une question? Faites pas les timides, hein. Moi je suis venue. Hein. Il y a une question là-bas, il y a une question là-bas. Test, oui c'est bon. Oui, du coup tu parlais du système de marrainage et de parrainage. Alors je ne sais pas si j'ai très bien compris ou pas, mais du coup de ce que j'ai compris, quand tu as une problématique technique, c'est aussi à ton parrain, ta marraine que tu t'adresses, ou est-ce qu'il y a du coup plusieurs personnes qui sont à disposition? Quand tu as un problème technique, nous, en tout cas, on envoie prioritairement du coup, les personnes avec lesquelles on travaille sur le projet. Là, en l'occurrence, quand j'ai commencé, ce n'était pas un projet, c'était le sandbox. Et là, pour le coup, cet espace de temps, c'est ton mentor qui est censé être disponible pour toi. Pour le reste du temps, ton parrain ou ta marraine, elles sont là pour quand tu veux, en fait. Donc, si c'est un problème technique, si c'est un problème de café, si c'est un problème de ce que, peu importe. Ils sont là vraiment pour toi. Après, tu aurais pu répondre, je sais pas.
Mais du coup, voilà, c'est pour le technique pur. Quand après on est sur des projets clients, bah, c'est avec ton équipe projet qui du coup aura le contexte, ou ça va être avec une personne qui sera disponible à ce moment-là. Si on a un channel après coup de main pour tout le monde, et donc là c'est les personnes qui peuvent être dispo qui se mettront à ta disposition du coup. De rien, merci à toi. Merci à vous. Je suis désolée, on n'a plus du tout le temps pour les questions, mais vous pouvez retrouver Amélie. Merci encore. Elle est facile à repérer.